Et dans l'immédiat, c'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi, Intanto Incultur, lui aussi évidemment marqué par l'épidémie de coronavirus. On parle ce soir de littérature, alors que le prix Goncourt a été reporté et que cette nouvelle attaque meurtrière à Nice ébranle une nouvelle fois la France entière. Je vous propose donc de faire un pas de côté, de changer un peu d'air et de découvrir les nouveautés de cette rentrée littéraire avec Caroline Ferrer. Prenez-en bonne note, on se retrouve juste après ça. Vous allez parler de nous, et ça vous allez le dire, j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire sur l'hôpital. Je ne devrais certainement pas vous dire cela, mais c'est toujours intéressant de se voir à travers le regard des autres. Accepter une résidence d'écrivain dans un hôpital, un défi personnel pour le dramaturge Francis Aiki. De cette expérience, il livre Hospitalière, dans le sillage de la crise sanitaire, cette chronique roman tout en sensibilité est une œuvre marquante de cette rentrée littéraire. Je pouvais aller assister à une opération si je voulais, à toute la vie de l'hôpital en fait. Et l'écriture en résidence, c'est un cadeau qu'on offre à un auteur. C'est-à-dire on lui dit voilà, tu as un peu d'argent, tu as un contrat, tu manges, tu dors, tu es libre, mais tu es pour tâche d'écrire. Tu es là en tant qu'écrivain. Alors c'est une expérience toujours un peu drôle parce qu'on se dit écrivain, est-ce que je suis vraiment un écrivain? En tout cas là pour l'instant on l'est dans le regard de tout le monde. Autre sortie, la Horde. L'histoire des collégiens ajacciens qui constituent une horde à la veille d'événements catastrophiques. Ce roman jeunesse est signé Anouk Langané. J'ai pas eu la sensation de faire un effort particulier pour m'adresser à des adolescents. J'ai pensé à ma fille, à ses amis. Ce sont des lecteurs exigeants. Ils savent ce qu'ils veulent, même s'ils ne savent pas exactement comment. Ils savent qu'il faut que ça bouge, quoi. Qu'il faut que ça vive, qu'il faut qu'il y ait de l'action, de l'émotion, de l'attention. Et une espèce de, justement, de mélange qui fasse que l'émotion soit pas noyée dans l'action, que l'action écrase pas l'émotion. Donc, il y a cette exigence-là. Et puis que ça sonne juste par rapport à ce qu'ils ont dans la tête, par rapport à ce qu'ils se disent et au ton de leur voix aussi. Pour cette maison d'édition, ces sorties importantes en cette rentrée littéraire font en fait figure d'exception. La plupart de ces titres auraient déjà dû paraître depuis quelques mois. La crise sanitaire a changé la donne. Chez nous, la rentrée littéraire, elle est paradoxale. On ne la vise pas spécifiquement parce que justement, il y a trop de sorties à ce moment-là. Donc nous avons tendance à décaler nos projets avant l'été et après pour la Noël. Pour Alain Piazzolla, la rentrée littéraire non plus n'est pas un moment privilégié de rencontre avec le lectorat. Cependant, il publie deux titres qui feront date, une histoire du cyclisme de la Corse et cette traduction du latin des visites apostoliques en Balagne. Les visites apostoliques qui se sont déroulées du XVIe au XVIIIe siècle sont ordonnées par le Saint-Siège pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le clergé chrétien, pour essayer d'y mettre un peu d'ordre. Donc ça constitue un inventaire exceptionnel. Ces manuscrits se trouvent au Vatican, ils sont en latin, donc il a fallu les transcrire, les traduire, les annoter. Autre futur ouvrage de référence, cette histoire des Stuarts et de la Corse. L'auteur, un descendant de la célèbre dynastie écossaise, a eu accès à des sources inédites. Ce livre, en fait, il raconte les relations entre les Corses en révolte contre Gênes, et les partisans des Stuarts, qui étaient principalement irlandais, écossais et quelques anglais. Des rapports qui s'étalent sur pratiquement tout le XVIIIe siècle, puisque ce sont des rapports qui commencent dans les années 1710. J'ai pu avoir accès à certains documents consulaires, diplomatiques, des rapports de services secrets, des correspondances privées qui manifestement jusqu'ici n'avaient pas été exploitées ou du moins divulguées. À l'approche d'Halloween, les lecteurs seront peut-être charmés par cette fiction ésotérique « Sacrée sorcière ». C'est l'histoire d'une sorcière de nos jours, pour moitié en Corse et pour moitié en forêt de Brocélian, de la forêt magique de Bretagne. Sandra, donc l'héroïne, est une jeune fille, comme on en connaît tous, une ajaxienne, typique, un petit peu avec la cuillère d'argent dans la bouche, mais brillante pour autant. Et elle va faire une rencontre parce qu'elle a un don qui est difficile à gérer. Elle voit les morts, elle leur parle. On a souvent dit que la forêt de Brocélian avait un écho en Corse.
dans le centre de la Corse. En attendant que les librairies rouvrent, pensez au drive, car d'autres ouvrages sont à découvrir, comme cet essai de sociolinguistique de Romain Colonne, ou encore cette biographie d'un grand résistant corse, Léo Micheli, par Doumé Lanzalavi. Cette rentrée littéraire nous sera même forcée, décidément placée sous le signe de la qualité et de la diversité. Votre rendez-vous Intanto revient naturellement dès lundi avec Intanto in Politica.